Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo solde, mais solde... C'est un peu la cata, les soldes cette année. Vraiment, alors, j'ai plusieurs hypothèses. Soit c'est parce que j'ai pas, comme il a neigé, je suis pas allée dans un centre co, donc du coup voilà, j'ai fait que des commandes en ligne, ou soit je sais pas, j'ai pas d'autre hypothèse, ou soit c'est juste nul tout simplement. J'ai commandé, là vous allez voir, je vais pas vous présenter grand chose, mais je vais quand même vous présenter des choses. J'ai commandé chez Air Up, chez Sephora et chez Beauty Bay. Il y a très très peu de trucs à vous montrer, mais je voulais quand même vous faire une vidéo solde, voilà. Comme ça, vous me dites en commentaire si vous avez fait les soldes et si pour vous, c'était juste incroyable, amazing, les soldes de l'année. Franchement, là, moi, je cherche encore. Franchement, il n'y avait que des trucs à moins 30%, quoi. Moins 20 chez MAC, j'ai même pas commandé. La deuxième des marques chez MAC, c'est 30. Parce que là, on est déjà à la deuxième des marques. Il y a moins 30 ou moins, je sais plus combien, pourcents supplémentaires chez Sephora. Mais c'est hors coffret. Donc, ce que j'ai pris, c'est des coffrets. Donc, ça passe pas. Par contre, chez Beauty Bay, voilà, j'avais pas spécialement besoin. Mais j'ai pris un truc. Ça, par contre, ça valait grave le coup. Donc, je vais vous montrer ça. Et chez Air Up, j'avais un tout petit code promo de 10%, je crois, ou 20%, qu'a partagé la youtubeuse Noémie Makeup Touch. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. D'ailleurs, Air Up, en même pas 24 heures, j'étais livrée, hein, pour info. Bon, on va commencer par Air Up, justement. Ouais, ouais, ouais. Le Père Noël m'avait apporté à Noël 2000... Noël 2022, cette gourde que j'adore, que je trimballe partout, qui est juste trop bien. C'est une gourde comme ça. Depuis, ils en ont fait des isothermes, machin, machin. Vous avez plusieurs couleurs et tout et tout. Et vous avez ce qu'on appelle un pod en haut comme ça de la gourde que vous pouvez enlever. Et en fait, vous mettez de l'eau dans votre gourde et quand vous buvez le pod, vous avez le goût. Oh, en fait... C'est pas du tout le goût parce que vous buvez réellement de l'eau. Il n'y a rien de sucré, il n'y a rien de tout ça. Mais en fait, le pod a une odeur. Et en fait, vous faites vraiment marcher vos sens. J'ai essayé avec le nez ferme, avec le nez bouché et tout et tout. Et en fait, ça dégage une odeur. Donc, vous avez l'impression de boire ce qu'il y a sur le pod, ce qu'il y a décrit sur le pod. Donc, c'est vraiment trop top. Et c'est vrai que sur le côté, sur les côtés du pod, parce que là, le pod, il est fermé. Mais là, hop, vous venez l'ouvrir et sur les côtés des pods, enfin à l'intérieur, il y a un petit trou. Eh, je suis déshydratée. Il y a un petit trou, donc du coup, c'est là où ça doit dégager une odeur. Donc vous avez vraiment l'impression que vous buvez ce que c'est. Et c'est trop bien. Alors moi, je suis pas, je suis quand même une adepte de l'eau. Il y a un truc qui vient de tomber derrière moi. Je suis quand même une adepte de l'eau, mais là je me suis dit, tiens, c'est vraiment top. Et même mes neveux, à chaque fois qu'ils boivent ma gourde, ils veulent tous boire dedans. J'ai dit, non, c'est ma gourde, laissez-moi tranquille. Donc j'avais déjà pris plein de parfums et tout pour tester que le Père Noël m'avait apporté. Et notamment, qu'est-ce que j'avais testé? Pomme cannelle, il m'en reste un, que j'adore. J'avais testé fraises, fruits rouges, pêche. Pastèque, enfin moi j'avais testé plein de petites choses et là j'ai fait une commande de plein de pods. J'ai pas recommandé une gourde, j'en ai déjà, mais ils ont des offres avec les gourdes. C'est pas sponsor, hein, ils en ont rien à péter de moi. Air Up, ils me connaissent pas, hein, mais je vois passer sur les réseaux, genre tu prends la gourde avec des pods, un pack découverte et tout, tu peux choisir ta dragonne, ta paille, enfin bref, la couleur du truc et tout. Enfin, moi c'est là le basique, on va dire. Et là j'ai repris des pods et à chaque fois ça se vend par 3, donc j'ai pris les Mojito, c'est ce que j'ai Virgin Mojito, c'est ce que j'ai sur ma gourde actuellement. Alors un pod, moi perso, ça me dure 2 mois facile, hein. Vraiment, mais au bout d'un moment ils ont plus de senteur, quoi. Mais franchement c'est dingue et c'est ludique, je trouve. Enfin bref, marque un pod environ 5 litres, bah beaucoup plus, hein, parce que je bois à peu près 2 gourdes par jour. Et c'est une 650 ml ma gourde. Donc, bref, non, ça fait beaucoup plus. Hein. Donc voilà, puis dedans, vous avez, comme je vous ai dit, c'est
c'est toujours par trois. Vous voyez, c'est dans des sachets comme ça. Bref. Et puis voilà. Donc j'ai pris Virgin Mojito. J'en ai profité. Même comme ça, ça sent. J'en ai profité pour refaire le plein. Qu'est-ce que j'avais déjà testé? J'avais déjà testé la pêche blanche, le smoothie pêche blanche. Voilà, donc j'en ai repris trois aussi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pris la framboise et citron. Ça, j'ai jamais testé framboise et citron. Et j'avais testé citron. Parce que ma mère, en fait, elle nous avait pris un... elle avait pris plein de pods. Et comme il y en a trois, parce qu'elle avait pris une gourde pour ma soeur, pour moi-même et pour ma belle-soeur. Donc du coup, elle avait dispatché les pods. Voilà, donc on en avait tous, on pouvait toutes les trois tester. Bref, et on avait testé citron. Voilà, c'est tout. Ensuite, ça c'est les anciens sachets, mais bon, il y a toujours trois dedans. J'ai pris les fruits rouges comme ça. Il me semble, moi c'était cassis que j'avais testé, c'était pas fruits rouges. Enfin bref, du coup, on aime, on adore. Ah là, il n'y en a qu'un pod. Ah non, trois, je suis bête. Et donc j'ai pris fruits rouges. J'ai repris fraises, je crois que c'est fraises basilic. Je ne sais plus. Alors attendez, c'est écrit en français derrière. Fraises citronnelles. Oh, peut-être, ouais. Fraises, bah oui, lemon grace. Et bref, non, moi c'était fraises basilic que j'avais testé. Bref, je vais kiffer. Et j'ai pris la noix de coco. Donc voilà, j'ai très très hâte aussi, ça va me faire un petit bout de temps. Donc voilà, j'en profite quand il y a des offres comme ça, des codes promo qui passent pour pouvoir, pour pouvoir commander tout simplement. Voilà, donc ça c'était pas spécialement la bonne affaire puisque j'en ai quand même eu pour 53 euros je crois. Enfin bon, vous êtes tranquille pendant au moins 6 mois, si ce n'est plus. Moi franchement, ça m'a duré un an, ah ouais. Ouais. Ensuite, je vous ai dit, j'ai commandé chez Beauty Bay. Beauty Bay, je voulais commander pour la palette Rich. Voilà. Donc, quand j'ai regardé sur le site, la palette, la grande palette 42 couleurs comme ça, la Rich, seule, elle était à, je sais plus, je crois qu'en solde, elle passait à 28 euros. Mais pour 21 euros, donc moins cher, vous aviez la petite avec. Donc allez comprendre, du coup bah, j'ai pris les deux et la petite, je vais vous la montrer, hein, c'est la même sauf que celle-ci, elle a que 16 phares, donc ils ont repris des couleurs de celle-ci, donc ça fait doublon. Je l'ai déjà remis sur mon Vinted, donc si vous allez sur mon Vinted et qu'elle n'y est pas, c'est qu'elle a été vendue. Bref, donc du coup j'ai pris la palette Rich qui est juste magnifique. Oh là 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 là, les couleurs, elle est trop belle. Vous savez que j'adore les palettes de chez Beauty Bay. Donc voilà, et ces fards là qui sont irisés, ils sont crémeux, c'est juste une... Bref, j'adore les palettes de chez Beauty Bay. Je les ai toutes et celle-ci, j'avais pris la dernière fois la Neutral qui était beaucoup plus froide. Et là, j'ai pris celle-ci bah, qui est beaucoup plus chaude. Toujours neutre, mais chaude. Donc, celle-ci, c'est la Rich. Et donc, du coup, avec, il y avait la petite Rich. Avec la riche, quoi. Rich. Et qui est en format 16 phares. Mais ce sont les mêmes. Donc, je voyais pas l'intérêt voili voilou. Alors, je la touche pas trop parce que... Vous voyez, ils ont repris les couleurs phares. On va remettre ça. Ils ont repris les couleurs phares qu'il y a dans la grande. Enfin, phare. Hein. Voilà, ça suffit largement, hein, j'ai envie de dire. Mais moi, j'avoue, je suis... étant une grande fan de Beauty Bay, j'aime beaucoup leur palette 42 couleurs. Et à la limite, je préfère même prendre les palettes 42 couleurs. Comme ça, j'ai ce qu'il faut. Et là, pour moins cher, j'avais les deux, quoi. Pour moins cher que la grande toute seule. Donc, bah, j'ai vite fait mes calculs, hein. Donc j'ai pris directement la 42 couleurs. Elle est trop 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 belle. J'adore, franchement. Ça sent Beauty Bay. Donc voilà. J'avais pas spécialement besoin de make-up, mais je voulais absolument cette palette et j'attendais les soldes. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de ventes privées aussi, mais les ventes privées toujours pareil. J'ai oublié de vous montrer. J'ai pris pastèque. J'ai oublié, c'était là, sur le côté. J'ai pris pastèque l'année dernière aussi. Enfin, l'année dernière. Oui, l'année dernière, du coup. J'avais pris pastèque et j'avais kiffé. Enfin, bref. Et ouais, il y avait des soldes privés et tout ça avant. Mais...
Voilà, bref, j'ai fait une commande chez Sephora. Et c'est très rare quand je commande chez Sephora, je suis même plus Sephora Gold, c'est pour vous dire. J'ai eu des échantillons. J'ai eu le Kenzo Homme, waouh, on adore. J'avais pas du tout demandé ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu un shampoing et un... Enfin, un shampoing. Un échantillon du shampoing et de l'après-shampoing de Bubble & Bumble. Donc ça, je vais l'utiliser. Et j'ai eu un échantillon du crayon à sourcils Anastasia. Et je vous avouerai, alors il se rétracte pas, hein, il est comme ça. Et ben je vous avouerai que ça fait 3 fois que j'utilise et j'aime beaucoup. Ça m'a rappelé quand je l'avais. À l'époque, je l'avais acheté et j'avais kiffé. Et je me rappelle maintenant pourquoi. Il est vraiment très 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 bien, très fin et tout. Enfin bref. Et je voulais absolument commander chez Sephora 2 choses. Donc c'est pour ça que j'ai passé commande. Ça. Si vous me connaissez sur la chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez, je vous en parle tout le temps. C'est le kit des sérums Bubble and Bubble de chez Grande Lash. Grande. Bref, c'est le fameux sérum pour faire pousser les cils. Un truc de ouf. Tout l'année 2022, tout l'année 2023, je l'ai utilisé. Enfin là, j'en ai plus depuis octobre, septembre-octobre. Et à chaque fois, on me dit, mais mes cils, waouh, ils sont ouf tes cils et tout, ça me gratte. Et en fait, je mets pas d'extension, rien. Bon, bah là, c'est retombé entre guillemets. Enfin, c'est retombé, non, ça les galbe pas, mais ça fait pousser les cils, mais un truc de malade. Et vous voyez déjà les effets au bout de 3 semaines, là, ça fait. Je l'ai reçu là, ça fait 1 semaine que j'utilise. Vraiment, c'est un truc de dingue, mais ça coûte super cher. Là, au lieu de 75, il passait qu'à moins 30%, donc je l'ai eu à 50, quoi. Donc, dedans, vous avez le fameux sérum. Hop, vous pouvez l'acheter tout seul, hein. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en kit. Mais bon, ça vaut le coup en kit. Donc, c'est un sérum tout simplement comme un liner que vous venez mettre au ras de cils. Moi, je le fais le matin quand je me prépare. Dans le kit, vous avez également la même chose. Il n'est pas ouvert celui-ci. Mais pour les sourcils, ça fonctionne de malade mental. Et première fois que je teste ça cette année, le mascara. Donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Donc là, ça fait pareil, ça fait 1 semaine. Alors je ne me suis pas maquillée. Hop, là, le décolleté du chat. Je ne me suis pas maquillée tous les jours depuis 1 semaine. Mais quand même, je l'utilise. Écoutez, c'est une brosse comme ça. En espèce de poil. Écoutez, ma foi, je n'ai pas à me plaindre. Et en restant de ce qui me reste du kit que j'avais pris l'année dernière, il me reste le liner. Donc voilà, bon là j'ai pas fait très de liner, mais il est très liquide ce liner là. Mais voilà, et là j'étais dégoûtée parce que je les achète toujours, les kits comme ça, je les achète toujours pendant les soldes. Et au mois de juillet, ils n'ont pas soldé. Il n'y avait pas de solde sur Grande Lash. Et j'étais un peu dégoûtée parce que... ouais, j'étais dégoûtée quoi. Je range en même temps parce que ça vaut hyper cher, mais c'est vrai que d'habitude ils les font beaucoup beaucoup moins cher. Moi je me rappelle que les soldes de janvier dernier, je l'avais acheté à 30 euros, même pas, je crois que ça avait les mêmes plus, je crois qu'il passait à moins 60. Donc voilà, enfin bref, et c'est véridique, c'est véridique, les sérums comme ça, moi je suis une grande fan. Et ensuite, dernière chose déjà. Dernière chose que j'ai prise chez Sephora pour les soldes, c'est ce coffret de chez REM Beauty. Notre petite Ariana Grande. C'est la première fois que je testais des produits de chez REM, de Ariana Grande. Et quand j'ai vu passer le kit, il me faisait trop envie. Je l'ai utilisé dans mon dernier vlog. Vous voyez, à un moment, j'ai un super highlight mauve. Et un blush, c'est celui-ci. Enfin bref, j'ai adoré. Donc, comme vous l'avez compris, il se compose d'un blush et d'un highlighter que j'ai déjà testé. Je ne pouvais pas attendre. Donc, je suis trop trop contente, franchement. En plus, c'est pas des formats voyage. Oups. Je l'ai payé, le kit, 24 euros, je crois. Je ne sais même pas. Ou 18. Oh, je ne sais plus. Enfin bref, il y a ce petit... blush liquide, enfin les blushs, voilà, pas en poudre. Et je crois que c'est une
Une couleur inédite, ouais, édition limitée. Et c'est la teinte Gingerbread Kiss. Et j'adore, je l'ai utilisée même sur, comment dire, même sur fond, enfin, mon teint était déjà poudré et je l'ai mis avec le pinceau, là, des matières liquide de chez Autrera qui n'existe plus, mais vous prenez un petit pinceau comme ça un peu dense et tout et nickel, là il est mouillé parce que j'ai utilisé ce matin, mais bon là c'est pas ce que j'ai, mais j'ai adoré, franchement il se travaille hyper bien. Et du coup j'ai pris l'highlighter, il est magnifique, il s'appelle Miss Neptune. Écoutez, je suis trop fan, même le petit packaging comme ça. Écoutez, j'ai rien à dire et il est magnifique sur le, comment dire, sur les joues. Il m'a fait un effet. Je vous invite à aller voir. Je sais pas si vous verrez. Non, parce qu'en plus j'ai la main toute blanche parce que je me suis mis du démaquillant et du coup à chaque fois ça me fait des traces blanches comme ça. Enfin bref, vous verrez rien. Mais comment il est trop beau. Je vous invite à aller voir mon vlog, comme je vous ai dit, mon dernier weekly vlog où vous voyez que je le porte. C'est trop beau, franchement. J'ai envie de porter plus de blush comme ça, enfin d'highlighter dans les tons violet et tout, mauve, et parce que c'est trop beau, bleu mauve. Wow, j'adore. Donc voilà, bilan hyper riche de mes soldes. Franchement, c'est rapido parce que, comme je vous ai dit, d'habitude je reviens de, je sais pas, je vais toujours à Belle Épine ou à Vélizy, mais là franchement, même j'ai regardé sur le site de NYX, sur le site de ah si, le truc que j'aurais pu commander mais que j'ai pas commandé, c'est sur le site de Lush. Il y avait toute la gamme de Snow Fairy qui passait à moins 50%, mais bon c'est pas grave, parce que je devais aller à Vélizy justement où il y a le magasin, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que sur The Body Shop, pareil, j'ai rien trouvé. Kiabi, j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas besoin de fringues. J'ai commandé des trucs sur Shein, mais je vous ferai une vidéo à part. C'est la prochaine vidéo que vous verrez. Et, mais voilà, j'ai pas spécialement eu de soldes. Parce qu'il y a toujours des codes et tout sur Shein. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Mais sinon, pas folichon. Franchement, voilà, j'ai pris. Je voulais la Rich. J'ai eu la Rich. Je voulais mes pods. J'ai eu mes pods. Et par contre, ça, là, ce kit-là et mon truc pour les sourcils, c'est vraiment les choses que j'avais mis sur ma wishlist et je suis contente parce que du coup bah, je les ai achetées. Donc voilà, dites-moi si vous aussi les soldes voilà quoi. Mes bilans des soldes catastrophiques cette année, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. En même temps, il y a des promos toute l'année et tout, donc voilà, franchement les Black Friday et tout, ça valait plus le coup d'attendre d'être commandé pendant les Black Friday, je pense. Voilà pour mon petit haul. Je vais aller ranger tout ça. Et puis, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à boire du Virgin Mojito. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.